c'est en ouvrant la porte de l'atelier appelé les Mines de Rien qu'on découvre une mine d'or. C'est ici que Jean-Marc façonne des pierres de tous les jours pour en faire des bijoux d'exception. Un savoir-faire et des mains de maître au service d'une collection minérale exceptionnelle. Un travail qui commence lors de ses nombreuses randonnées, lorsque l'artiste rencontre la nature. Si je vois une jolie pierre, je la mets dans la poche. Bon, alors faut pas en ramasser non plus des quantités astronomiques. Mais une petite pierre, la petite pierre de cœur, celle qu'on met dans la poche, qu'on aime bien en souvenir de vacances ou d'autres choses. Pour mieux comprendre comment transformer cette petite pierre de cœur, Jean-Marie nous a ouvert son atelier et transmis quelques-uns de ses secrets. La première étape, c'est découvrir ce qu'il y a dans la pierre. Donc il y a plusieurs solutions. On peut la casser au marteau ou on peut la scier. Donc j'ai la scie, donc on scie. On peut imaginer qu'il y a des trucs. Là, je sais que c'est de la pyrite. Mais comment elle est dedans, je sais pas. Donc on va regarder. Et pareil, avec des nodules, avec des pierres comme ça, ça fait des papillons. On a le même motif de chaque côté. Avant de scier ces pierres, il faut les analyser afin de choisir le sens de découpe. On va regarder comment elle est faite. Et pour ça, on la mouille pour savoir qu'est-ce qu'elle va donner une fois polie en fait. C'est l'aspect qu'elle aura une fois finie, une fois polie. Ouais, je me rends compte qu'elle est transparente carrément même. On essaie de bien viser. Et voilà, un gros nodule de pyrite scié en deux. Grâce aux différentes meuleuses, la pierre va délivrer tous ses secrets et devenir aussi brillante que le verre. Plus le grain de la machine est petit, plus la pierre deviendra brillante. Un travail de minutie et de patience. Donc là, ouais, je vais pouvoir attaquer une paire de boucles ou un truc pareil comme celle d'avant. Une fois découpée, Jean-Marie se lance dans la création de ses bijoux. Et bien là, on a déjà scié les tranches de pierre, donc j'appelle ça des papillons, parce que t'as deux pierres similaires de chaque côté, et ça va me permettre de faire des boucles. Donc avec du gros grain au début, tout est chargé au diamant, et on va affiner après, comme si on rayait la pierre progressivement, de plus en plus fin, jusqu'à obtenir une surface complètement lisse. Donc ce qui est compliqué avec les boucles, c'est de faire deux pareils. Chaque pierre étant unique, Jean-Marie prend en compte la forme d'origine donnée par la nature. La pierre a déjà une forme. Quand tu la scies, quand elle est brute, elle a déjà une forme. Donc on essaie de perdre le moins de matière et de faire un truc qui contente l'œil, quoi, qui soit harmonieux. J'avais deux tranches, une plus grosse que l'autre. Donc la plus fine va déterminer l'épaisseur de l'autre, sachant qu'elles avaient déjà la même forme, mais pas la même épaisseur. La première étape consiste à délimiter les arêtes, pour donner la forme grossière aux boucles d'oreilles. Donc quand on a bien travaillé avec la meule d'avant, cette étape-là, elle est plus ou moins rapide, quoi. C'est avec la dernière meuleuse que certains métaux apparaissent. Donc là, on va arriver au grain de 1002. Donc on est sous le micron. Et là, du coup, certains métaux, comme la pyrite et tout ça, apparaissent. Donc il peut arriver qu'on ait une pierre avec différents veinages dedans et qui apparaîtront qu'à partir de ce grain-là, qu'on n'a pas vraiment vu avant. Et là, ça va effacer toutes les facettes qu'il pouvait y avoir avant. Et là, on a tout de suite, on aura un aspect vraiment vitrifié, quoi. Avant, après. Au fur et à mesure de son travail, ses mains de magicien se ternissent d'une couche noire due au sulfure de fer. Vu que c'est poncé au micron, ça rentre vraiment bien profond dans dans les empreintes digitales, tu vois. Comme l'encre, ça doit être comme l'encre. Une fois les boucles taillées, il suffit de percer pour les attaches et le bijou est terminé. Donc là, je me sers de plusieurs marques. Bon là, c'est une certaine marque avec des mèches de dentiste. J'ai une amie dentiste qui me donne ces mèches. Une expérience déconcertante qui nous prouve ô combien la nature peut être secrète et renfermer des trésors. Des secrets que Jean-Marie aime mettre à jour pour créer des objets surprenants. Découvrir ce qu'il y a dedans et puis les mettre en valeur sous forme de bijoux principalement, mais une petite pierre à poser sur la table de chevet ou faire des médiators. Dans son atelier, Jean-Marie vend ses bijoux et propose de transmettre son savoir-faire en faisant participer les clients à des ateliers. Pour participer, il faut évidemment réserver sa place.
la petite pierre dont je parlais tout à l'heure, la petite pierre de cœur qu'on ramasse, venir la tailler à l'atelier, quoi. Donc je vous montre comment on se sert de la machine, les grandes directives, quoi. Et puis après, vous y passez, vous mettez la main à la pâte, quoi. J'aide à choisir une pierre qui fera que ouais, ça va faire à peu près une heure. Une aventure unique qui vous permettra de garder et d'embellir ce petit caillou de voyage. Et voilà.